Elle a gerbé. C'est comme ça que tu me remercies? Hé, hey, je te parle! T'as vomi là! Et bonjour! Enfin, le mois de juillet, là. Donc, toujours plus. Ça va? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est un petit peu la course, mais je suis en train de préparer les sacs. J'ai fait des petits mots pour mettre dans les sacs pour midi. Voilà, hop, on va mettre tout ça là. Elles ont chacune le petit mot et c'est pas les mêmes petits mots, hein. Hop, ici. Et ici, voilà, j'ai tout préparé. Hier, j'avais fait des tests avec les box parce que comme c'était la première fois, je me suis dit, il faut que je teste si c'est bien chaud, etc., etc. Et donc, l'astuce, et ça, c'est grâce à vous, donc merci beaucoup, c'est de mettre de l'eau chaude dans le truc isotherme, de le laisser genre un quart d'heure bien bouillante, l'eau chaude, et après vous mettez vos plats, et en fait ça va être bien, super bien tenu, donc voilà, je suis trop contente. Voilà, les petits sacs sont prêts, elles ont chacune choisi leur dessert, etc., etc. Bon, à 7h30 j'étais en train de couper des concombres, tout va bien, voilà, à force ça va être plus facile, mais là, je vous avoue qu'elles m'ont rajouté des trucs, donc bon, c'est pas bien grave, elles auront tout pour manger. Je vais les préparer, je vais me préparer, j'aurai pas le temps de boire mon thé, mais ce n'est pas grave. On est parti, je vais me le faire quand même, on sait jamais. Ça y est, je suis rentrée à la maison, il est 9h10, je vais prendre un Doliprane, là, ça... Depuis hier soir, j'ai courbature au niveau du bras droit. Ça passe pas, je me suis dit bon après une bonne nuit et tout ça a passé, ce matin c'est pareil, donc je vais me prendre quelque chose. Je suis pas du genre à prendre des antidouleurs comme ça pour ça, mais j'espérais que ça passe tout seul, mais ça passe pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Je rentrais et je me dis mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle me colle celle-là? Il n'y a plus de croquettes. Pourquoi tu colles? Parce qu'il n'y a pas de croquettes. Et moi, j'ai pas l'habitude. Hein. C'est papa qui s'occupe de ça, là. Voilà. Donc là, hop, elle doit se dire, ouais, mais au moins, je ne suis jamais en manque avec mon papa. Puis, je déteste faire les croquettes. J'ai l'odeur. L'odeur des croquettes. Je t'aime, Gogien. Franchement, là, je fais une chose pour toi. Pas insurmontable, mais vous allez vous casser la gueule. Non, ça va. Bon, allez, hop, on va mettre des croquettes. Sinon... Putain. Je vais aller me laver les mains. C'est passé dans la rainure. Sauf que si ça ferme mal, elles vont sécher. Je vais me laver les mains. J'ai horreur de ça. L'odeur des croquettes, franchement, je préfère ramasser du vomi. J'ai vraiment osé dire ça. Bah oui, bah oui. Je vous disais, je me suis garée, j'ai ouvert la porte, elle est montée sur mes genoux, elle me ronronnait dessus, là. Voilà, mais elle avait plus de croquettes, cette petite demoiselle. Voilà, et puis c'est pas moi qui m'occupe de ça, habituellement. Bref, allez, je remets mon miroir. En fait, je vous ai pas dit ça, mais quand on a tout installé dans le salon, on a mis les croquettes du chat derrière. Voilà, parce qu'au moins, elle est tranquille. Et puis, quand on a du monde, les enfants et tout, ils y touchent pas. Parce que Goji, faut pas toucher ses bouffes, hein. Attention. Bref, donc, on a mis derrière le miroir. Et elle peut passer sur le côté pour... Donc, derrière, il y a sa fontaine et il y a ses croquettes. Voilà, comme ça, au moins, elle est à l'abri, elle craint rien, quoi. Je vais me laver les mains. Elle a gerbé. C'est comme ça que tu me remercies? Hé, hey, je te parle! T'as vomi là!
j'ai fait mes petites découpes de carton là. Je vais faire mes lettres pour le tableau. Donc je vais faire un A, un P, un E. Au départ, je m'étais dit, est-ce que je mets le nom de l'APE? Et en fait, non, c'est trop long. Voilà, on va faire juste APE, ça sera très bien. Donc là, l'idée, c'est que je vais faire les lettres dans le carton, je vais découper. Et après, je vais le... je vais mettre du fil. Alors, au départ, je m'étais dit, est-ce que ça va? Ça va mieux? Hein? T'as arrêté de gerber? Elle a vomi deux fois. Je me suis dit, en fait, sur le coup, est-ce que je pars sur ça? J'entoure. Et je pense que je vais faire ça. Je vais faire ça. En fait, j'ai peur que ça soit pas assez voyant. On va voir. Je vous montre. Je suis encore indécise. À l'école avec le soleil, je redescends. Il n'y a plus de soleil, il fait tout gris. Bon, j'ai installé tout, c'est canon, c'est trop beau. Je vous ai pas fait une petite vidéo, je vous la ferai juste après parce qu'en fait, c'est pas symétrique. Et ça, c'était à parier. Dès que je l'ai installé ce matin, je l'ai installé et j'ai vu le truc et j'ai dit, c'est pas, ça va pas aller. En fait, il y a 6 petits paquets d'un côté, il y en a que 5 de l'autre côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que à 1h20, je vais remonter. Pour aller remettre un petit peu des pommes de pin, des trucs comme ça. Voilà, comme ça au moins, ben, je serai soulagée. Parce que là, ça, voilà. Hein, quand c'est, je vais passer devant tous les jours. Donc, vaut mieux que ce soit bien fait. Et puis, de toute façon, ce que je fais là, on va le garder pour l'année prochaine, etc., etc. Donc, autant bien le faire. Donc, je remonte à 1h20, quand ils ouvrent les portes pour récupérer ceux qui mangent à la maison. Je réinstalle tout ce qui manque. Là, j'ai pas croisé les filles, donc tant mieux. Et je lui ai dit tout à l'heure que je revenais, me dire, vous venez bien à 1h20, parce que si vous venez un tout petit peu avant, elle va vous voir. Et bon, voilà. Alors, ça s'est bien passé ce matin, il n'y a pas eu de pleurs. Mais bon, on va pas tenter le diable. Hein. Sinon, bon, je me suis sorti les plats pour midi. Donc à midi, vous êtes à contre-jour. À midi, je vais me faire... Alors, il restait du riz d'hier soir. Il reste de la bolognaise, donc je vais faire du riz à la bolognaise. Voilà, c'est... écoutez, j'ai inventé le plat. Enfin non, j'ai pas rien inventé du tout, mais j'ai pas envie de me faire cuire des pâtes, il y a du riz. Donc voilà, et puis je vous avoue que... pas super fin, super fin. Je vais me forcer un petit peu quand même, parce qu'il faut que je mange. Mais voilà, ce matin, le thé est passé difficilement. J'espère que c'était juste ce matin et que
Lucère va me laisser tranquille. Parce que généralement, quand ça commence comme ça, c'est pas bon signe. Je vous le dis, hein, je commence à me connaître. J'ai les paillettes de partout, c'est pas grave. Bref, on verra bien. Je vous dirai si c'est passé, si c'est pas passé. Si c'est pas passé, bah, je vais prendre... en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est le thé qui a été difficile à boire ce matin. Donc généralement, quand c'est liquide, il n'y a rien. Faut voilà, attendre, prendre un anti, mon médicament, et puis voilà. C'est pas grave, hein, y a pire dans la vie. Enfin bref, est-ce que je ne mettrais pas un petit hérisson? Je vais mettre un petit hérisson. En fait, il faut que je rajoute des trucs, genre pommes de pin. Donc on va mettre pommes de pin, hérisson, ça sera bien. Ouais, on va faire ça. Eh bien, écoutez, comme je le pressentais, ça passe difficilement. J'ai mis 1h15 à manger 3 cuillères. Donc, bon, c'est pas bien grave. J'ai gardé le plat. On verra si tout à l'heure, ça repasse ou pas. Si j'arrive à... On verra. Je vais remettre mon pantalon parce que je l'ai fait sauter. Hein, comme d'habitude. De toute façon, moi, je passe la porte d'entrée. Je fais sauter le pantalon. Donc voilà, je vais aller à l'école, je vais aller installer les 3 petits trucs qui me manquent et je vous ferai je vous montrerai ce que ça donne. Voilà, ça va être canon. Bah enfin c'est déjà canon, mais quand ça sera bien fini et tout, je vais envoyer une photo sur le groupe pour montrer à tout le monde. Mais voilà, c'est trop cool. J'aurais bien bossé. Je suis bien contente. On va prendre des petits hérissons. Je vais prendre des pommes de pin. Donc ça, tout vient d'Action. Hein. Petit hérisson, petite pomme de pin. En fait, je vais tout prendre comme ça au moins. Je préfère. Parce que là, tout à l'heure, quand je suis montée, en fait, que j'ai mis les paillettes et tout, je me suis dit, c'est bon et tout, ça va être fini. Et en fait, j'aurais dû prendre tout le sac. Comme ça, au moins, j'aurais pu tout faire. Mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'était ça, l'objectif. Et il est terminé, donc c'est très très bien. Voilà, allez, let's go. J'ai le hockey en plus, ça promet. Ça sent trop trop bon, on va se régaler. Je pense qu'on va, oh quoique, je sais pas, on verra. À mon avis celui-là il va être dégommé, celui-là je suis moins sûre. Avec une petite salade verte ça sera très très bien. Ça y est, on a terminé de manger, on a fait le ménage, tout est propre, j'ai fait tourner le lave-vaisselle. Les filles sont en train de regarder Fort Boyard. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre ma douche. Hop, attendez, vous êtes dans la bassine de linge propre, hein. Je vais prendre ma douche, je vais ranger le linge des filles parce que j'avais j'avais du linge propre. Cet angle-là n'est pas top, hein, c'est pas très bon, hein. Alors, oulala, c'est le bazar. Attendez. Oh mon dieu. Elles ont joué dans les chambres. Bon, Kali, je m'inquiète pas, mais alors Romy, j'ai peur d'ouvrir la chambre derrière. Je vous le dis. Donc, je range... Attendez, je vous reprends. Oh là là, pardon. Donc, je range la chambre des filles. Je vais éteindre le linge. Je vais ranger le linge dans les placards. Ah non, Aria, ça va. Je range le linge dans les placards. Et puis après, je vais prendre ma douche et tout, comme ça au moins, on se regarde un peu la télé. Bon, pas trop tard, parce qu'elles sont quand même bien fatiguées. Hein. La journée, la grosse journée à l'école, avec la cantine et tout, ça fatigue. Et puis voilà, let's go. Bon, j'ai couché les filles, il y a déjà un petit moment. Je suis actuellement dans l'atelier en train de faire de la couture. Alors, j'avais commencé un étui à lunettes, et en fait, je voulais m'en faire un. Léopard avec une petite broderie. Je trouve plus mon coupe-fil, ça m'énerve. Je l'ai trop bien rangé et je ne le trouve plus. Mais alors, va couper les petits fils de la broderie avec une paire de ciseaux comme ça. Et ben c'est la merde, je te le dis. Bon, alors, donc, c'est un début. Hein. Je pense que vous ne voyez rien. Nous avons désolé, nous avons le bouton ici là.
Donc le bouton doré, et je suis partie sur une broderie en doré aussi. Alors, je voulais que ça se voit, mais pas trop. Donc voilà, donc ça c'est trop cool. J'ai fait la broderie, j'ai fait toutes mes découpes, j'ai posé mes boutons ici. Ici, voilà, donc là ça se verra pas. J'ai mon molleton, j'ai mon décoville, enfin bref, j'ai tout. Et donc là, l'idée c'est que je vais assembler tout ça. Et ça, ça va être canon. Ça va être vraiment canon. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais bon, vu le tissu et tout, je me fais pas de soucis. Voilà, sinon, je vais finir ça. Après, je vais monter le vlog. Et puis après, j'irai pas me coucher trop tard parce que je suis quand même bien... Oh là là, mais ça va être beau, regardez. Alors là, ça ressemble à rien. Mais qu'est-ce que ça va être beau avec l'intérieur noir. Oh, ça va être canon. Au départ, je voulais partir sur le marron, vous voyez, des taches. Mais en fait, j'en ai pas du comme ça. Donc, c'est pas grave, je suis partie sur du noir. Ça ira très très bien. Et j'essayais de trouver... vous savez, quand vous avez des étuis à lunettes... Vous avez l'emplacement pour mettre les lunettes pour comme si ça faisait le nez, quoi, vous voyez, pour reposer. Mais j'arrive pas à... En fait, j'ai essayé de chercher pour remplacer et j'arrive pas à trouver par quoi je pourrais le remplacer. Bref, c'est pas bien grave. Donc, il me faudra un petit anneau et de la sangle que j'ai rachetée parce que j'en avais plus. Enfin, j'en avais, mais pas assez... assez large, et celle-ci, elle sera parfaite. Bon, il y en a pour un moment. Hein. Voilà, mais il m'en fallait... Oh, ça va être trop cool. Trop cool. Allez, je finis tout ça. Je vais monter le vlog. Et ce que je fais, c'est que, avant d'aller au dodo, je vous montre à quoi ça ressemble. Comme ça, au moins... ouais, c'est... Je vous montre avant d'aller au dodo. Et je suis en train de regarder un film. J'ai mis où mes écouteurs? Ah, ils sont là. Je suis en train de regarder le film avec Gérard Jugnot. Je suis tombée dessus quand j'ai ouvert Netflix. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Pourri gâté, ça s'appelle. Je pense que je vais être déçue. Voilà, c'est... Bon, on verra bien. Je vous redirai. Bon, je suis allée chercher une paire de lunettes pour essayer. J'ai un petit peu réduit les marges. Et en fait, c'est bon, c'est nickel. Puisque tout ce qui est patron, etc., je fais les traçages. Vous savez, j'ai des feuilles... des feuilles carton, comme ça, je les fais dedans. Et puis voilà, donc... J'ai un petit peu réduit les marges parce que le premier que j'avais fait, il était un chouïa trop grand. Et là, c'est vraiment trop beau. Oh, c'est trop beau. Je suis trop contente. Donc, je vais mettre le petit truc. Ça, c'est très pratique quand vous avez vos lunettes dans votre sac. Vous mettez le petit mousqueton. Comme ça. Pourquoi ça résonne comme ça? Oh! C'est exactement ce que je voulais. Je voulais pas trop trop voyant. Alors, au départ, j'ai des petits fils à couper encore. Au départ, je voulais partir sur du fil doré. Sauf que, en fait, celui-là, c'est pour la broderie. Et avec la machine à coudre, il pète. Il pète à chaque fois. Donc, je voulais faire les finitions en doré, mais en fait, ça rendait pas bien. Donc, j'ai dû tout découdre et tout recoudre. Voilà, donc j'ai perdu un petit peu de temps en soi, mais bon, c'est pas bien grave, de toute façon. Voilà, mais je suis trop contente. Oh là là, mais c'est canon. Donc là, on a la petite accroche avec le petit... oh là là, je suis trop contente. Franchement, c'est canon. Et l'intérieur, donc, il y a un bouton pression. Voilà, et donc, les petites lunettes. Ça va bientôt arriver sur la boutique. Ça sera en format adulte. Et en format enfant, puisque la taille des lunettes pour les enfants sont un petit peu plus petites. Alors, vraiment pas grand-chose. Mais voilà, et bien entendu, ça sera personnalisable avec ou sans broderie. Et voilà, j'aime trop. Je pense que dès que je vais les mettre dans la voiture demain, Kali va m'en demander une... Kali, elle est à fond dans le léopard en ce moment. Donc, je suis sûre et certaine qu'elle va m'en demander un. J'ai encore des petits fils à couper. Bref, voilà. Hop. Je suis trop contente. Bon, allez, je vais vous abandonner. Je vais monter le vlog et je vais aller au dodo. Et c'est canon. J'aime trop. J'aime trop, trop, trop. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Demain matin, direction le marché, les courses, etc. etc.
Voilà, parce qu'on est reparti pour une semaine. Hein. Maintenant, vous le savez, on fait les courses le samedi. Alors là, demain, je serai toute seule. Donc, bon, ça va aller. Hein. Je me fais pas du tout de soucis. Voilà, on va faire le marché. On va faire Inter, je pense. Et puis voilà. J'espère juste qu'il... J'ai pas regardé la météo. J'espère juste qu'il pleut pas. C'est tout. Parce que faire le marché quand il pleut, c'est pas le top. Voilà, ça se fait, hein, mais c'est pas le top. C'est pas le top. Enfin bref, bon allez, je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Et je vous souhaite un très très bon week-end. Bisous !